Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC24, on se retrouve pour l'épisode 28 ou 29, je sais plus. Il y en a beaucoup, la dernière fois on s'était quitté, il y avait des bugs sur le jeu, il y avait des bugs, je les ai réglés, au bout d'une heure ou deux, j'ai trouvé la solution. Tranquillement mais sûrement, on joue contre Bolton, deuxième du championnat. Ça fait plusieurs fois qu'on joue contre les deuxièmes, bon, allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Notre équipe, la voici. Comme d'habitude, je n'ai pas joué avec l'équipe B. En sachant qu'on joue contre les premiers, les deuxièmes pardon, du championnat. Éviter de perdre cette avance de 3 points qu'on a. Vous allez voir, graphiquement. Magnifique, je vous laisse la cinématique. Parce que pour une fois qu'elle est propre, d'habitude elle est dégueulasse les gars. Si vous aimez le spectacle, vous c'est parti. Pas être déçu, ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Hop là. Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme... Fluide, tout est bien. Ah, je suis content. La claquette aussi était fluide. Oh la vache. L'arrêt là était incroyable, les gars. Roméo Lavia a la place pour tenter sa chance. Oh dommage. C'était la possibilité de marquer le premier but. C'était ça les gars, en vrai, c'était ce qu'il fallait faire. Ses partenaires ne reviennent pas. Quel gâchis. Par contre, il faut aussi un peu de souplesse. Savoir s'adapter. Et oui, voilà, il faut faire des... Attention, peut-être... Hors-jeu, non ? Ouais. Oh, hors-jeu, heureusement. Finalement, un hors-jeu est signalé. Paul Vanner. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Le petit ballon placé pour conclure, c'était délicieux. Mais qu'est-ce qu'il loupe ? Il a manqué un peu. Vous avez vu ce qu'il loupe, les gars ? J'ai tout fait. Pourquoi il la met pas ? Après, il a peut-être un pied gauche digne d'un grand-père, mais bon, quand même. Tu mets. Et c'est au fond des filets. Enfin. Se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui toc. Qui est le danger parce qu'il prend et bam. Matistel, une passe de Deamoru. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Plus personne dans le but. Et voilà le but. Dans une cage désertée. Il s'est amusé. C'est bien joué, t'en profiter. On s'est amusé là. Un jeu d'Amorim. Le réalisateur qui nous remet t'envoie. Touk. Ah bah. Bim. 2-0. Avant la mi-temps, c'est très bien. Là, on met un petit coup au moral. Je sais pas si j'aurais mis coup franc. Oh ! Ouf. Allez, en touche. Juste en touche. Ouais, j'avais la balle. J'avais la balle. Bon, les gars, bilan de cette mi-temps. Très bonne, très très bonne, tout se passe bien pour l'instant. On gagne 2 buts à rien, Bolton on les domine. Pourtant meilleure défense, donc content, content, qu'on continue comme ça. Oh, je suis un gamin. Oh, j'avais pas vu qu'il était avec moi. Attention la frappe. Dommage. La frappe a beau être relativement proche. On est chaud, on est chaud. Effectivement, et ça sort aussi net. Oh là là. Oh là là. Putain la chatte. Le ballon sauvé sur la ligne. Dommage, c'était ça. Et voilà, c'est terminé. Bon bah, 2 victoires 2-0, j'ai même pas pu faire rentrer mon remplaçant, ça c'est super. Je suis déçu. Non, victoire 3-0, très mérité, franchement, sur ce qu'on a vu sur tout le long du match. Je suis content parce que là, je commence à kiffer le jeu, les gars. Là, graphiquement, j'étais en mode, putain, le jeu, il est pété du cul. J'ai payé plein pot pour avoir un jeu pété. Et bah, pas du tout. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller dans ma description pour ceux qui regardent. Il y a des jeux Instant Gaming. Mettez vos codes qui est en description et vous avez des réductions et des genres de choses. Donc, faut pas hésiter à aller dessus.
Donc voilà, c'est parti. Donc on est premier. On a mis Bolton à 8 points et Portsmouth à 7. Et on joue contre Plymouth Argyle, qui est un peu plus loin. Donc c'est parti, jouer match. On va faire un coup d'envoi, mais par contre on va jouer avec l'équipe B là, les gars. Ah bah on peut pas. On peut pas, d'ailleurs on va devoir faire des petits changements. Hop, changement. Ouais, j'ai tout mon banc de remplaçant qui va y passer. Et j'ai même pas 7 joueurs, tu vois. Toc, toc. Il manquera 2 joueurs. C'est pas grave. C'est pas grave, jour de match, on lance. C'est parti, coup d'envoi. Let's go! Donc Matistel, De Amorim. C'est dommage, j'ai des joueurs fatigués. Ah, j'ai même. Ah, j'ai un titulaire aussi. Lavia. À la place de. J'ai personne pour remplacer. Ah! On est parti. On va y arriver, on va y arriver, les gardes. On joue avec une équipe. Reconstruite! On va aller reconstruite, les gars. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Ça, en vrai, au moins, ça met un peu de piment. On sait que quelque chose est sur le point d'arriver, mais on ne sait pas encore quoi. Une seule certitude, il est impossible, évidemment, de prévoir l'avenir. Que nous réserve ce match? Jusqu'où iront nos émotions? Je peux vous le dire, ici, la pression est palpable. On est impatient de savoir qui va l'emporter aujourd'hui. La réponse, tout de suite. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. C'est parti, les gars, t'as vu? Hop, le contrôle, bien vu. La défense est battue. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. C'est comment on peut pas. Il y a des fois, je tente ça tout le temps, ça rentre jamais. Et là, ça rentre directement. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur. Garde. Et pour finir l'action, au lieu de dribbler le gardien, on frappe en force. C'est la grande question des duels. C'est facile, le passage en force. L'extérieur du pied, il était imparable. Voilà, mais il y a la place pour un bon centre. Et le ballon vers la surface de réparation. Et oui, voilà. Il est magnifique. Et une situation qui amène ce nouveau but et creuse encore. Wagner, il marque un beau but là. Le centre, il est incroyable par contre. Je leur ai fait jouer la misère là. Hop, je retourne en arrière. Hop, centre. Bam. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Le bon crochet vers l'intérieur. Et bonne séquence, ballon en retrait. Intervention du gardien. Ok, De Amorim, t'es seul. Bien vu. Position là. Ah oui, c'est bien joué. Quel but! Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. Je vais faire 3-0. 3-0. En vrai, là, vu que je kiffe le jeu et tout, bah, je sais pas, j'y arrive plus facilement. Bonne progression, balle au pied. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Et l'arbitre décide de mettre un simple carton jaune. La double peine n'était pas loin. C'est gentil le pénalty, les gars. Je crois que je prends le ballon. Le pénalty est transformé sans trembler. C'est pas grave. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Ils ont pas eu une occasion de la... Le public y croit à la remontada. Bon, mi-temps. 3 buts à 1, ça se passe très bien. Je veux que ça continue comme ça. Bon, après, y a pas de raison, hein. Mais là. Ah, je kiffe le jeu, les gars. Ah, putain, ça fait du bien. Il buguait tout le temps, il y avait des petits coups après, mais t'es plus rapide, largement. Ah, t'as voulu y aller tout seul, cochon. Dommage, c'était ça, hein. Dangereux, l'occasion pour revenir peut-être.
but qui les ramène à une petite longueur. La chance. Cette frappe est surpuissante. Et comme il avait la précision aussi. Bonne percée là dans le camp adverse. A une possibilité là pour centrer. Oh oui, quelle parade! Je la voyais. Oh, c'est tendu les gars là. C'est tendu, on va faire un petit changement. Bah lui on va pas pouvoir le rentrer. Bah lui on va juste rentrer lui là. On va le rentrer lui, ça va déjà être bien. Mais le gardien a fait un exploit. Les tribunes que sont flammes pour le corner offensif. C'est leur première occasion de revenir à hauteur depuis un moment. Eh mais on va se détendre. Alors oui, pourquoi pas ce genre de geste, mais évidemment il faut cadrer. Bien vu. Ah, ça part très bien. Dommage, c'était ça. Il écarte bien le danger. Le très mauvais tacle et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Carton rouge, il vient de rentrer. Oh merde. Des solutions en attaque là. Ah, le drapeau c'est hors jeu. L'arbitre évidemment signale le hors-jeu. Oui, c'est typiquement l'hors-jeu évitable. Et si tu restes... Ballon vers la surface. Ballon pour égaliser. Oh, c'est bien défendu. Quoi ? Le penalty ! Et voilà l'occasion maintenant d'égaliser dans cette fin de match. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non. Et le penalty par le gardien. Voilà, c'est indiqué par le quatrième arbitre. 3 minutes de temps. C'est bien parti pour ce corner. Bien joué, super intervention. Le danger est évident. Et l'arbitre s'est maintenant la fin de ce... C'était une fin de match chaude, les gars. C'était tant d'axes. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On a pris un petit rouge avec Marc qui vient de rentrer. Flaf. Carton rouge, fini. Au revoir, au revoir. Et pour combien de matchs? Pour un match. Ouais. En plus, c'est peut-être passé à 68. Là, je vais faire un petit coup de gestion d'équipe. Donc, Wagner, tu repasses là. Toi, tu repasses. Love, tu repasses à la place de. De lui. De toute façon, je vais tout refaire au moment venu. Ok, continuer. Rapport mensuel. Ah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Est-ce que j'ai un gros joueur? Non, toujours pas. Pas de gros joueur. De grands matchs nous attendent, la vie. De grands matchs nous attendent. Bon, on va jouer contre Newport City. Ah, ils étaient bien, en effet. Ok, donc il y a plein de choses qui vont pas. Dans cette gestion d'équipe, les gars, on va régler ce problème. Lavia, ok. Donc toi t'es remplaçant là, toi t'es remplaçant ici, toi t'es remplaçant là, toi t'es remplaçant ici plutôt, toi t'es là et toi t'es là. C'est parti pour le dernier match, les gars. On envoie du lourd, jour de match, coup d'envoi. Et c'est parti. Pas. Hop, c'est parti. On lance ça. Pour cette équipe, l'enjeu, c'est de se qualifier pour la phase à élimination directe. C'est quoi le... Ah, EFL Trophy. Ah non, ils sont dans la ligue en dessous, EFL County. Bien vu. Tu l'as feinté. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. En vrai, bien amené, hein. Petit dribble, la vitesse. Matisse, parce que forcément. En face, t'as un défenseur qui a 62 général. Donc, on va dire que la vitesse, elle a beaucoup d'impact. À part si c'est un joueur avec 62 général, mais avec 80 de vitesse, quoi. Bonne progression dans le camp adverse. Ah! Excellente intervention. Un arrêt du gardien qui capte bien le j'étais trop long. J'ai voulu faire le gamin encore. Bah, c'est pas voulu faire le gamin, c'est que j'ai poussé. Ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir le ballon, le score est à leur avantage. Attention, c'est chaud là. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Égalisation de Newport, les gars. On a mal joué. Le centre vers la surface de réparation. La mi-temps est sifflée et pour l'instant ça s'annonce très bien parce que ils ont arrêté une action tellement décisive. Merci le jeu.
Merci. Place à la deuxième mi-temps dans ce match 13. Allez, Adamorim, Adamorim, Adamorim. C'est le moment de prendre l'avantage. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Ouais, c'est bien arbitré ça. Il y avait une grosse faute au départ et donc carton jaune. Evans. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Excellente intervention, mais c'est pas fini. On va faire des changements, les gars, parce que là, kata kata. Kata 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 kata, c'est la kata. Je peux faire entrer Ahmed, il est fatigué. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du cadre. L'attaque se poursuit, balle au pied, la frappe pour le but peut-être. Trop simple, trop simple, trop simple. On les a fait reculer. On les a fait reculer, doublé de tel. Lui, c'est vraiment le buteur de l'équipe. Tous les autres, c'est des passeurs. Nous, on a que des buteurs. Regarde, tiens, regarde. Recule, recule, recule. Et but. Magnifique. Oh bah non. Face à face à négocier. Là-dessus peut-être. Oh le raté, mais non. Comment on peut rater avec le but ouvert? Pensez comme ça, tu t'arrêtes. Tu prends un RTT et tu pars le week-end pour carrer un peu. Ouais, ça t'embête de marquer 3 buts tout le temps, mais bon, c'est ton boulot, gars. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Ah, c'est bien fait, le centre en retrait. Et le tir part bien. Et un arrêt qui fait du bien. Peut-être un nouveau but. Comment il fait pour arrêter ça, le frérot? Il est définitivement le match. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et voilà, on en reste là dans ce match. Et il te sort deux arrêts stratosphériques à la toute fin. Mais bon, on a gagné. 3 buts, 2 buts à 1. C'est très très bien. Ça nous permet de passer à l'étape supérieure. C'est vraiment le plus important pour cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est important, même si je vous le demande à chaque fois. C'est très important pour moi. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.